Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette. Ce matin, j'ai commencé par des pancakes. J'ai trouvé la recette sur l'application Joe. J'adore cette application, je ne me sers pas du tout de la fonctionnalité Drive. Par contre, j'y cherche beaucoup de recettes et d'inspiration. Donc là, par exemple, pour les pancakes ce matin, j'ai utilisé 150 g de farine d'épeautre, 250 ml de lait d'amande, une cuillère à soupe de sucre en poudre, un petit peu d'huile pour la poêle et après de la levure chimique. Et j'ai mis dessus du sirop d'érable avec des fruits et c'était vraiment très très bon, on s'est régalé. Voilà, maintenant c'est midi donc je vais m'attaquer au repas. Pour le repas ce midi, ça va être une assiette composée très très simple. J'ai trouvé ce nouveau tofu au magasin bio, au pilement d'Espelette. Je vais le couper en fines lamelles et le faire revenir à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Et pour l'accompagner, j'avais des crudités au frigo. Donc tomates cerises, petites carottes que je vais râper, un concombre, des petites pousses de radis, j'ai aussi un petit reste de coriandre. Et au frigo, j'avais aussi du riz et des pois chiches. Et en assaisonnement, je vais faire ma sauce fétiche, à savoir tamari, purée de cacahuètes, citron vert, sirop d'érable. Voilà, c'est parti! Frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Je voulais vous partager une petite astuce qui m'aide à boire un peu plus en été. Je mets une à deux cuillères à café d'hydrolat dans un grand verre d'eau. Mon hydrolat préféré, c'est l'hydrolat de cassis. Déjà parce qu'il a un petit goût fruité, donc il est très très agréable à boire. Et aussi pour ses propriétés, il facilite la circulation. Donc typiquement, les personnes qui ont les jambes lourdes en été, c'est parfait. Après, il a aussi des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés digestives, des propriétés diurétiques. Mais moi, je l'utilise principalement pour ses propriétés circulatoires et parce qu'il est vraiment délicieux. Après, c'est plutôt le soir. J'aime bien mettre une petite cuillère à café d'hydrolat de fleur d'oranger. Pareil, dans un grand verre d'eau. Donc la fleur d'oranger, c'est vraiment pour ses vertus apaisantes. Et c'est vraiment aussi très, très bon. Et le dernier hydrolat que j'aime bien boire en été, c'est l'hydrolat de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, c'est excellent pour la digestion. Moi, je personnellement, j'aime beaucoup parce qu'il est très 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 rafraîchissant. Voilà ma petite astuce pour boire un peu plus en été. Je vous retrouve pour le goûter. Je me suis fait un petit smoothie. Dedans, il y a une demi-banane, une date, un petit peu de chocolat en poudre, un petit peu de purée de cacahuètes, du lait d'amande, quelques glaçons. Voilà, j'ai mixé le tout dans mon blender. J'avais fait cette recette déjà cette semaine et je l'avais beaucoup aimée. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Le soir, des fois, j'aime bien cuisiner dehors. Et puis, ça me permet aussi d'avoir plus de luminosité pour filmer. Pour le repas de ce soir, je vais faire des galettes un petit peu d'inspiration méditerranéenne. Donc pour faire les galettes, ici j'ai un mélange de 100 g de farine d'épeautre, 100 g de farine de sarrasin, levure sel. Je vais mélanger 350 ml de lait d'amande et un œuf. Et après pour la garniture, je vais les tartiner de houmous. Ici j'ai des poivrons que j'ai fait griller au four hier soir, des petites pousses de radis, de la feta, et après de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Voilà.